vient d'arriver sur Don Con, qui est l'île voisine de Don Det. On est tout au sud du Laos, quasiment frontière cambodgienne. On va y rester sûrement une bonne semaine, tout simplement parce qu'on arrive dans 4 jours, c'est le nouvel an laotien, et ils font la fête pendant 3-4 jours à peu près. Donc du coup, on va y rester pour fêter le nouvel an laotien. Et bah, de toute façon, il y a aussi les brûlis dans le nord, ce qui fait que bah, ça sert à rien qu'on monte maintenant. Je vous fais un petit room tour de notre chambre du coup à Don Con. Donc on a pris avec vue sur le Mekong, donc ça c'est trop chouette. Petit ouais, hamac. Chouette s'il n'y a pas les dauphins. Ouais, parce qu'en principe il y a des dauphins ici, mais on vous en reparlera. On a la vue du coup sur Don Det. Hop, petit hamac. Et on a une chambre avec air conditionné parce qu'il fait super chaud. Et franchement la chambre fait large le taf. On est plutôt bien, eau chaude aussi. Bon, simple. Hein. C'est vrai que pour une semaine, c'est trop cool d'avoir une belle vue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'Indochine, le Laos appartenait, enfin était sous le protectorat français, ce qui fait que la France dominait un petit peu le pays. Et ils ont du coup créé des... Et du coup ils ont fait des infrastructures comme ce pont. Et là on se croirait vraiment sur la Loire, c'est assez impressionnant. Nous ça fait 6 mois qu'on est en Asie. Et ça nous fait tout bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Justement, je sais pas le nom. C'est ce qu'ils mettent dans les oreillers. C'est comme du coton, mais c'est pas du coton. Merci. Petit déjeuner sur Don Con. Voilà, ça fait 5 jours qu'on est ici. On a super chaud, donc on fait pas grand chose. On sort surtout le matin. Là, on a pris les vélos ce matin pour aller au sud de l'île où il y a potentiellement des dauphins. Il en reste 80 dans le Mekong, donc on croise les doigts pour en voir, mais bon, c'est pas certain. Surtout que c'est des dauphins, c'est pas des dauphins normaux. On vous mettra une photo de la tête des dauphins. Ouais, c'est des dauphins particuliers qui sont en voie d'extinction. Voilà, donc on va essayer d'aller en capturer quelques-uns. C'est une aide de Tiffen, hein. On se trouve devant la frontière du Cambodge. Donc là c'est le Cambodge en face de nous, il y a le Mekong au milieu. Et là on est au Laos. Voilà. Et puis bah, je zioute pour voir si on voit les dauphins. Mais bon, ça fait 10 minutes, je n'ai rien vu à l'horizon. On est super content, on a eu trop de chance, on a vu 2 dauphins.
vous ai mis des images juste avant. Là, sur les deux îles où on est, il y avait des chemins de fer créés par les Français lors de l'Indochine. Et là, on est sur une structure française, hein, ça se voit aux armatures métalliques ici. Donc là, en fait, ça servait à remonter les bateaux du Mékong juste ici, qui venait du Vietnam. Parce que ça va, le Mékong, ça va de, bah, du Vietnam jusqu'en Chine, ça traverse 6 pays, je crois. Et donc, du coup, c'était une route maritime très utilisée. Sauf que là, comme vous avez vu aussi, on est à des endroits du Mékong où il y a énormément de cascades. Donc, le seul moyen de remonter en bateau, c'est de donc, monter les bateaux ici sur terre. Il y a des chemins de fer, enfin des rails, des chemins de fer, hein, qui montent, qui traversent les deux îles sur, je sais pas, 7-8 km. Et une fois au nord de la deuxième île, ils ont une deuxième plateforme un peu comme celle-ci où ils redescendent justement les bateaux dans le Mékong. Voilà, petit moment info. Bon, on s'est fait notre première journée un peu sortie aujourd'hui. On est parti voir une partie des cascades, par contre qui est très belle. On vous mettra des plans de drone, je pense. Mais on voulait absolument se baigner parce qu'il fait super super chaud. Et au Laos, on est sur la partie la plus, enfin la période la plus chaude, donc c'est un peu compliqué. On reste beaucoup dans le bungalow au chaud, au frais. Et là, on a marché pour aller à une espèce de petite plage qu'il y avait où tu peux te baigner et tout, sauf que bah, c'est pas fameux. Il y a plein de mousse.